Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une fois, on va nous révéler comment un homme mystique, un occultiste, a sacrifié sa fertilité. Comment c'est possible? Vraiment, il y a beaucoup de pratiques bizarres d'ailleurs, faites très attention. Surtout, écoutez très bien parce qu'il y a des choses à ne pas faire pour éviter cela. C'est parti, voici comment sa relation a démarré avec ce monsieur. Après une année, on commence à s'écrire, à prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Voilà, on s'envoie, je veux dire quoi, des messages, on s'écrit, vraiment, on s'appelait même. Et puis, j'ai tantôt, moi en tout cas, je l'aimais déjà. Mais lui, j'avais l'impression qu'il y a une réticence, voilà, à mon égard. Tantôt, je suis convaincue qu'il me veut, tantôt, j'ai la conviction également qu'il ne me veut pas. C'est pas de position fixe, quoi. C'est comme ça que dans mes prières, je commençais, puisque ça coïncidait qu'en son temps, je faisais les 31 jours de Saint-Joseph. J'ai commencé à dire à Dieu, voilà ce garçon qui me plaît bien. Vraiment, il est beau, il a tout ce que je désire. Il me plaît et tout sur lui me plaît. Je ne peux même pas dire que c'est cette partie-là qui me plaît. Voilà, mais notez bien, je n'ai jamais demandé de l'argent, même pas une unité, rien. Rien. Il m'en a jamais donné aussi, je n'ai jamais réclamé. Ça, c'est une chance. Je viendrai à cela. Et c'est comme ça qu'il commence à venir chez moi. Moi, je ne connais pas chez lui, mais il y a une de mes soeurs qui connaît chez lui. Moi, plusieurs fois, j'ai programmé aller chez lui pour rencontrer sa maman. Mais quand le jour arrive, il dit que non, il est occupé prochainement, au moins 2 à 3 reprises comme ça. Mais lui, le week-end comme ça, il vient me voir et on cause. Et c'est comme ça se limite à juste des petits baisers, des trucs comme ça. Et un jour, alors que je priais Dieu, puisque tantôt j'ai l'impression qu'il est intéressé, tantôt il n'est pas intéressé. Et je me disais au fond de moi aussi, ce qui m'a attiré chez lui a pu attirer d'autres filles avant notre rencontre. Parce qu'il est beau, il est charmant, il a un emploi noble. Donc je ne vois pas pourquoi il serait célibataire. Donc c'est quand je priais, je disais réellement au Seigneur, s'il est déjà occupé, voilà, débarrasse-moi de cette passion qui me brûle tant. Même quand il me donne rendez-vous pour venir, qu'il n'arrive pas à venir, toute ma journée est gâchée comme ça. Voilà, c'est toute ma journée. Je peux même pas vous expliquer. Et c'est comme ça, j'ai fait un rêve un jour. Dans ma prière, j'ai fait un rêve un jour où il y avait un mariage. Et dans le mariage, là, la fiancée était une catholique, une vraie brune de deuxième degré. Quant à son mari, bon, son futur mari, puisque on était dans le rêve, c'était le mariage n'était pas encore célébré, mais on était sur le point de le célébrer. Lui, il était le bon petit du diable. Il communiquait même directement avec le diable. Et j'ai une soeur là, dans mon rêve, la soeur là était là. Elle tenait un œuf sur un boisseau. Voilà, vous voyez, genre des trucs qu'on allume les bougies dans les films. L'œuf là était posé sur un truc pareil. Je lui demande, mais que veux-tu faire de cet œuf dans le rêve là? Elle me dit, non, que c'est la fiancée qui veut offrir cet œuf là à son futur mari. Je dis, mais dans les histoires d'amour, moi j'ai déjà vu, on offre des chemises, des caleçons, mais un œuf, jamais vu. C'est comme ça que le rêve là, je l'ai banalisé. Et je m'apprêtais même à appeler la soeur là pour lui dire, ah, sois prudent dans ces 2 temps là. Si un homme te grave, il faut beaucoup prier parce que j'ai rêvé des gens de trucs ça. Là. Et figurez-vous, 72 heures après, ce rêve-là, le bon monsieur vient chez moi et il m'avoue être dans un club. Je ne peux pas vous donner le nom exact du club, mais vous voyez les clubs tels que Rotary Club, Lions Club, c'est l'un de ces clubs-là qu'il est. Quand il m'a avoué ça, c'est comme si un courant de. Je vais dire quoi, 10 milliampères venaient de traverser mon corps, tout s'est placé. Ma passion a fait semblant de s'éteindre un moment. Et je me mets en prière encore, je demande au ciel, est-ce que je dois abandonner cette histoire-là, ou bien ça comment? Mais depuis ce moment, j'ai remarqué dans mes rêves,
quand je m'endors, à chaque fois, je ne sais même pas par quel zigzag, mais je me retrouve à tenir un nœud dans ma main gauche qui se casse. Dans un rêve, ça peut, même 3 heures peut se casser. Même quand je peux me retrouver, je ne sais même pas comment, par quel zigzag, mais il y a toujours un nœud qui se casse dans ma main. Et c'est comme ça que je contacte quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Je l'explique l'histoire, le rêve du mariage et les rêves récurrents. Les jeux qui se cassent dans mes rêves. Il me dit, tu sors avec un nudiste, tu as sacrifié ta fertilité. Vous imaginez? Un nudiste qui a sacrifié ma fertilité. Je dis, non, 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 c'est pas possible. Je dis, certes, actuellement, il y a quelqu'un qui me fertilise. Non, ce n'est pas encore un vrai couple. On est au stade des dragues, des petits bijoux, voilà. C'est des gens de trucs là, on n'est pas encore sorti, on n'a jamais couché ensemble. Il m'a dit, tu n'as pas mangé son argent. Je dis non, je n'ai jamais mangé son argent. Non, je ne l'ai jamais demandé un franc, lui non plus, il ne m'a jamais donné. Voilà. Et il me dit, réfléchis bien. Je me rappelle maintenant qu'un jour, ce monsieur était en voyage. Je lui ai demandé qu'en revenant de m'acheter quelque chose de cette ville-là. Et il m'en a acheté. Il m'a dit, voilà. Mais j'ai dit au monsieur, moi, je n'ai jamais couché avec lui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il puisse sacrifier ma fertilité alors que je n'ai pas bouffé son argent? La simple chose qu'il a achetée d'une valeur qui dépasse même pas 2000 francs aussi, ça suffit pour sacrifier ma fertilité. Il me dit, bon, moi non plus, je ne suis pas un divin, mais il se peut qu'il n'a pas encore sacrifié ta fertilité. Mets-toi en prière et je te demande, je t'ordonne même de couper le pont avec lui. Et c'est comme ça que je me mets en prière, en demandant au Seigneur de m'aider. Je supprime même tous ces numéros dans mon téléphone. Et ça veut dire, je n'ai pas fait savoir au bon monsieur que j'ai vu quelque chose dans mes rêves, que c'était lui, rien. Mais lui également, il a coupé les ponts. Après que le monsieur m'ait dit que je sors avec un épiciste qui veut sacrifier ma fertilité, que je me mette en prière, figurez-vous que la personne a coupé le pont, il ne m'appelle plus, il ne me dit plus rien. Dès que vous voyez ça, c'est que c'est vrai. Cette personne, par des caméras mystiques ou par les informations ou communications, des mauvais esprits, ces démons-là lui ont informé que vous êtes au courant de ces projets. Donc cette personne-là automatiquement rebouche chemin. Cette personne, carrément, s'éloigne de vous. Dès que cette personne coupe le contact, au moment où vous venez d'entrer en contact avec la vérité sur sa mission, que ce soit un signe qu'il ne vous trompe pas. Dès que cette personne se comporte ainsi, dès que vous venez d'avoir cette information, je répète, que ce soit un signe qui vous amène à comprendre clairement que la personne qui était en face était là pour une mission bien définie. Et cette mission-là, vraiment, ce n'était pas là pour vous plaire. Écoutez ça encore. Un épiciste qui veut sacrifier ma fertilité, que je me mette en prière, figurez-vous que la personne a coupé le pont, il ne m'appelle plus, il ne m'écrit plus, rien. Rien de rien. Donc, je ne sais pas quelle leçon je peux donner. Je veux juste simplement dire que nous les filles et les gens dans l'ensemble, le coup de foudre, ça existe. Et souvent, nous n'avons pas la force de le dompter. Mais la prière pour dompter, ce n'est pas pour faire l'éloge de Jésus ou de Marie. Mais dans toutes ces histoires que je vous raconte, vous avez bien vu que ce sont des prières qui m'ont sauvé. Et j'encourage les uns et les autres, que ce soit dans le monde de l'emploi, pour n'importe quoi que tu veux faire, peu importe la personne que tu rencontres, même entre nos filles ou entre vous hommes là, c'est toujours mieux de prier, de dire, ah Seigneur, il y a telle personne qui a tissé l'amitié avec moi ou avec qui je suis rentré en contact, je te la confie. Si elle est là de bonne foi, que notre amitié prospère. Si c'est de mauvaise foi, alors que tout s'arrête là. Et Dieu sauve toujours, il est fidèle, il est bon, c'est ce que je peux dire. En tout cas, moi, la prière m'a sauvé. J'encourage les uns et les autres aussi à prier beaucoup, surtout nous les filles. Si tu tombes sur un homme charmant, tu vas vouloir, par exemple, tu vas dire que non, c'est un jeune avocat, au lieu peut-être même de te mettre en prière pour que la personne voit que si réellement la personne est bonne pour toi, tu vas vouloir le gâter,
le mystifier. Voilà, imaginez si par exemple je m'étais empressée d'aller dans son lit ou bien de commencer à demander, comme il est avocat, je l'appelle pour mes besoins d'argent, pour dire que nous j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je ne sais pas quelle aurait été la contrepartie. Peut-être que ma vie tout entière pourrait partir. Voilà. Wow, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Les filles qui sont dehors, qui sont toujours prêtes pour escroquer les gens. Ha! Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. J'étais une fois, quand je passais, tout le monde me regardait. Tout le monde tournait pour me regarder. En plus, moi-même, j'étais quelqu'une de timide. Je ne faisais rien de grand, mais je marquais toujours mon passage. Donc, pour moi, bon, c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Jusqu'à ce que les gens commençaient par m'approcher pour me dire, bon, toi, tu changes de jour au jour. Chaque jour qui passe, tu changes. Il y a des fois, tu brilles tellement qu'on ne te reconnaît pas. Il y a des fois, tu es élancé. Il y a des fois, tu diminues de taille. Franchement, tu changes chaque jour. Mais c'est quelle histoire ça? Je change. Ça m'a étonné, mais ça m'a fait rigoler. Donc, moi, j'ai passé dessus. Jusqu'à ce qu'une nuit, on était couchés ensemble, moi, ma petite soeur, mon frère. Et ma grande soeur, en plus une fille que notre maman avait adoptée, on était dormis ensemble dans le salon et les parents étaient dans la chambre. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Je vois tout le monde était là dans la chambre. Tout le monde me regardait, tout le monde me fixait. Il y a ma petite soeur qui avait la Bible à main et qui transpirait, ma maman qui pleurait. D'abord, quand je me suis réveillée en même temps, la maman a dit Dieu merci, elle s'est réveillée. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne parlait, je tournais, je voyais. C'est-à-dire, il y avait du regard, il y avait de l'inquiétude dans le regard de tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je précise d'abord, on était dans un quartier où il y avait trop de voleurs. Il y avait les voleurs, franchement, dans les quartiers. Donc, je me suis dit, ou bien, on a essayé de nous braquer. Mais là, ce que je vois, la façon dont les regards sont sur moi, je sens en même temps que là, ça me concerne, quoi. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là, ma petite soeur me dit, grand soeur, ce qui vient de se passer, franchement, on va remercier Dieu. On va remercier Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Cela, elle me dit, il y avait, quand on dormait, subitement, il y avait l'apparition de cinq personnes, cinq femmes, qui étaient habillées tout blanc, avec des couronnes sur la tête, des chaînes qui brillaient, en tout cas, ils avaient l'air des esprits des eaux, quoi, des sirènes. Donc, quand elles sont apparues, elles disaient qu'elles sont là pour m'amener avec eux, qu'il est temps. Il est temps que je les suive. C'est là, l'autre, elle dit, mais vous êtes qui? Et vous l'amenez où? Elles disent, mais ça ne te regarde pas. Il est temps qu'elles me suivent. On est là pour l'amener. C'est là, ma petite sœur dit, non, vous ne pouvez pas l'amener. Elle ne vous appartient pas. Et c'est devenu un combat. Elles ont commencé leur rituel. Ma petite soeur a pris sa Bible. Elle a commencé par prier, prier, prier. C'est devenu vraiment un combat entre eux. Jusqu'à ce que, finalement, elles ont fini par disparaître. Quand elles ont disparu, moi je me suis. Et en ce moment-là, les mahom et les parents se sont réveillés. Elles sont venues dans la chambre, la trouver avec les autres qui étaient couchés à côté, se sont réveillés tous. Tout le monde avait vu la scène. Donc, c'est quand elles sont disparues que moi je me suis réveillée maintenant. Elle m'a raconté tout ça. Je dis, mais quelle histoire ça? Qu'il est temps, moi. Et ils sont venus pour m'apporter. Ces gens-là, ça veut dire quoi? C'est quelle histoire ça? Ça m'a fait rigoler. J'ai fini par dire Dieu merci, ils m'ont pas emporté, je suis là.
Dieu merci. Donc, toute la nuit, on a pu fermer les yeux. Ils ont peur que lorsqu'ils vont vouloir dormir encore, elles vont revenir. Donc, tous, on est là éveillés jusqu'au petit matin. Au petit matin, bon, la journée a commencé bien. On a repris notre vie normalement jusqu'à la seconde fois où maintenant je m'étais couchée avec les parents dans la chambre. Je m'étais couchée au milieu. Papa était à gauche, maman était à droite, moi j'étais au milieu. Donc, au beau milieu de la nuit, bon, quand je m'étais réveillée, j'ai vu que c'était 0h. À 0h comme ça, je me suis réveillée brusquement en appelant le nom de Jésus. Bon, qu'est-ce qui s'était passé? Quand je dormais, c'est comme si je rêvais, quoi. Donc, il y avait l'apparition de 5 femmes, exactement comme la petite sœur m'avait décrit l'autre fois, qui étaient là. Et il y avait une qui était à mon cheveu et les deux autres étaient des deux côtés. Et ils ont commencé par faire des rituels, ils appelaient mon âme. Ils appelaient mon âme. Et à un moment donné, j'ai vu comment mon âme sortait en moi, qui montait. Parce que je m'étais couchée sur le dos. Donc, mon âme sortait en moi, ça montait vers le haut, ça montait, ça montait. Et à un moment donné, il y avait une forte main qui m'a frappée. De toute façon, la main m'a frappée. Je n'ai jamais reçu un coup de telle manière. On dirait, ça, tellement le coup était dur. Et je suis retombée en moi. Quand je suis retombée à moi, j'ai appelé le nom Jésus en même temps. Et les saintes dames ont disparu encore. Moi, je me suis réveillée. C'est là que mes parents sont réveillés. Je leur ai raconté l'histoire. Ils disent, mais c'est quelle histoire? Qui sont ces gens-là qui me poursuivent depuis là? Et ça ne finit pas. Ça veut dire quoi? Entre-temps, mon papa est un féticheur. Donc, lui aussi, il est sorti fouiller. Après, il est revenu dire que... J'ai l'esprit de serpent. Et je tiens à préciser aussi, je rêvais de la rivière, que l'eau m'emportait, que je vois les serpents et tout ça là. Jusqu'à ce qu'il y ait une rivière chez nous, une rivière nommée Amou. L'histoire se passe dans la région des plateaux, précisément dans le canton de Guéï. Donc, avec les histoires de trucs là que je voyais, ça fait que je commençais à avoir peur. Je n'arrivais plus à aller dans la rivière là. On allait là-bas pour faire la lessive, laver nos habits et tout ça là. À un moment donné, si je vais là-bas, c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'attend dans la rivière. Que si je mets seulement ma main ou bien mon pied dans la rivière, la personne va me tirer dans l'eau. Ce qui fait que j'ai décidé de ne plus aller dans la rivière, même les marigots, tout ça. Je ne vais plus, j'ai peur de tout ça là, je ne vais plus. Ça a passé. Maintenant, un moment, je suis tombée gravement malade. Je suis alitée pendant un mois comme ça. Et durant le moment de ma maladie, un soir, j'étais là couchée. Sur le lit, je ne sortais pas, je n'allais même plus à l'école. J'étais couchée sur le lit, ma maman était dans la chambre avec moi. Il y avait une dame qui est venue sonner. Maman est sortie, elle dit, bon, moi, on m'appelle Bernice. La dame est venue, elle a dit, bon, bonsoir, maman. S'il vous plaît, Bernice, elle est là. La maman a dit, oui, elle est là, il y a un souci. Elle dit, oui, maman, je suis venue t'avertir. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit qu'on voit mon mari avec Bernice. Mais aujourd'hui, moi-même, je viens de la voir avec mon mari. Donc, je suis venue t'avertir, il faut la parler. Il faut l'avertir, je ne veux plus la voir avec mon mari. C'est la dernière fois. Aujourd'hui, je l'ai vue, je ne voudrais pas faire de palabres avec elle parce que je vous respecte. Je suis venue d'abord lui dire. Alors, on m'a dit, mais parler de quelle Bernice? Ma fille, elle dit oui. Bernice, elle dit, ma fille, elle dit oui. La maman est étonnée. Moi-même, je suis sur le lit, j'étais étonnée. Je dis, ah, comment ça? C'est là la maman l'a demandé de rentrer. La dame est rentrée, la maman l'a demandé. C'est de cette Bernice, tu parles? La dame a jeté régalement, de toute façon, j'étais souffrante sur mon lit. Elle est étonnée. Je dis, ah,
Bernice, moi, je n'arrivais même plus à parler. J'ai commencé par pleurer. Il se lève du moment, je suis désolée, je ne sais pas quoi dire. J'ai vu Bernice, mais là, je vois encore Bernice, je ne sais pas comment expliquer. Maman, excusez-moi beaucoup, je ne savais pas qu'elle était souffrante et tout ça là. Mais c'est étonnant, et la dame est partie. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, étant dans cet état, je pleurais, je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis ici et on me voit ailleurs. J'ai pleuré le jour là, je me suis posé 1000 questions sans réponse. Bon, ça a passé aussi. Et la santé allait mieux, j'ai repris mes études. Ça n'a pas fait un mois. Une soirée, j'étais là, je suis revenue de l'école, j'étais là avec la maman, avec quelques cousins du quartier. On causait, on riait tranquillement. En même temps, il y a mon petit copain qui est arrivé. Très fâché. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Toi, tu m'as appelé, tu m'as donné rendez-vous. Je suis allée sur le lieu de rendez-vous. Toi, tu es ici, tu rigoles comme si rien n'était. Je dis, mais tu as quoi, mec? Pourquoi tu es fâché comme ça? Elle dit, mais c'est pas toi qui m'as donné rendez-vous. Elle dit, moi. Elle dit, tu ne m'as pas appelé pour me demander de venir te croiser dans une telle école. J'ai dit, moi, je t'ai appelé. Il a dit, oui. Ah. Il dit, non, mais je ne t'ai pas appelé aujourd'hui. Je viens d'arriver de l'école et je suis là ici. Je ne t'ai pas appelé. Il dit, mais maman, quand on est ici, est-ce que j'ai composé le numéro de tel? La maman dit non, mais tu m'as pas appelé, c'est pas. Il a fait sortir son portail, il m'a montré le numéro, mon numéro, avec l'appel qu'il a reçu. Tout est là. Ça faisait à peine 1 heure du temps. Quand il s'est fâché de là, il est venu chez moi à la maison. Il dit, je t'ai pas appelé. Moi, je t'ai pas appelé. Il faut demander à maman. Quand je suis revenue de l'école, je me suis changée. Je suis avec la maman ici. Je n'ai même pas encore touché à mon portail. Tout le monde est étonné. La chance que j'ai eue que le jour-là, la maman a été témoin. Si j'étais seule, le gars n'allait pas croire que je n'avais même pas composé son numéro ce soir-là. Et tout ça, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette personne qui lui a appelé? Je me dis, ah, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Mais... on a passé du... Mais jusque-là, bon, la question, j'essaie, mais pas de réponse. Je précise que, en ce moment, moi, je ne priais pas beaucoup. J'allais pas à l'église. C'est vrai, les trucs de gris-gris et tout ça, là, je ne crois pas. Malgré que mon papa est féticheur, je ne donnais pas d'importance à ça. Je ne crois pas. Tout ce que moi, je sais que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, je ne crois pas, mais je vais non plus à l'église. Donc, c'est quand ce dernier étape-là est passé que je vois que franchement, ma vie est en danger. Si je suis là, on me voit partout. Moi, je suis là, on voit que je change de forme, tout ça là. Ah, ce que je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. J'ai commencé par prier. Et présentement même, j'ai quitté le village. Et j'ai comme avec la prière et tout ça, tout a changé, les choses ne sont plus comme avant. Donc, c'était ma petite histoire. Waouh, dites-moi ce que vous en pensez. Ben, écoutez, ensemble un autre témoignage, une histoire hors du commun. L'histoire m'a été racontée par ma grande sœur. C'est une dame que nous tous on connaissait et tout. L'histoire se passe dans un quartier de Libreville appelé Petit Paris, plus précisément à l'embranchement vers... Bon, l'embranchement qui va sortir vers l'hôtel Migolet. Pour ceux qui connaissent un peu bien Petit Paris. C'était une dame qui vendait le lait caillé. Une dame de nationalité ouest-africaine. Bon, de région ouest-africaine. Je connaissais pas sa nationalité en fait. La dame vendait le lait caillé. Vous pouvez aller acheter, quitter, je vous jure, à l'époque, je me rappelle, ma soeur, on habitait Batterie 4. Batterie 4, zone 3, quartier, là, vers Citibank, pour les gens qui connaissent un peu Libreville.
Et ma soeur nous envoyait toujours, parce qu'à l'époque, le taxi, quand tu prenais de Batterie 4 Citibank, là où je vous dis là, jusqu'à Carrefour et en bas, c'est un quartier aussi de Libreville. Après, vous descendez là, vous prenez la bretelle en fait pour aller vers Petit Paris. La dame avait tellement de clients qui venaient acheter son lait. En tout cas, les gens venaient partout de Libreville venir acheter son lait. Un jour, ma soeur a dit qu'elle revenait du travail parce qu'elle travaillait vers Doumbakélé, un autre quartier aussi de Libreville. Donc, avant de prendre, elle a pris le taxi pour s'arrêter à Petit Paris un peu faire ses emplettes et puis prendre le lait que la dame vendait, lait couscous ou lait simple et tout ça là. Et elle nous amenait même ça à la maison, hein. Tellement on trouvait que c'était même bon, mon Dieu. Elle arrive, elle se rend compte que ah, la dame n'est pas là. Bon, elle se dit peut-être la dame n'a pas vendu et tout ça là. Elle va finir ses emplettes dans le marché parce que Petit Paris, c'est là où se trouve le plus grand marché de Libreville, voire même du Gabon en fait. C'est là où tout s'achète et tout, on dépote les conteneurs et tout ça là. Elle a terminé de faire ses emplettes dans le marché. Elle est rentrée à la maison. Le lendemain, après son travail, elle revient encore. Ah, la dame n'est pas là. Comme il y avait dames, des jeunes dames guinéennes, équato-guinéennes, pardon, qui vendaient un peu des vivres frais, des assaisonnements un peu en face. Donc elle traverse, allait prendre de la tomate. Et elle pose la question à la dame, où elle va vendre la tomate, où elle achète la tomate là. Mais la dame qui vend le lait, elle est là. Depuis 2 jours, je cherche cette dame-là. Je suis venue hier faire un peu des petites courses là. Et puis, je voulais aussi prendre le lait. Comme c'est. Elle fait très bien du lait. Et puis, j'aime bien manger. Pardon, boire son lait et tout ça. Elle n'est plus là. Vous connaissez vous-même le Pakpato, le Kongosa des commerçants dans le marché. Que, hey, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. La dame-là a été arrêtée au là où elle est à la brigade de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame a terminé de vendre parce qu'elle pouvait vendre jusqu'à 2, 3 bassines de lait. C'est un grand marché, les gens viennent de partout pour venir faire des courses et surtout et machin. Donc elle remplissait même les bouteilles d'eau. On a des bouteilles d'eau là que vous savez là. 1,5 litre, donc elle pouvait te remplir ça, elle vendait, elle vendait, elle vendait. Donc, chemin faisant, une dame est venue acheter le lait. La marmite, la première marmite était déjà vraiment à ras, quoi, vraiment presque vide. C'est comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, un moment d'inattention, la dame s'est retournée pour prendre encore le lait qu'elle avait en réserve qui était derrière elle, pour reverser dans la marmite. Parce qu'il paraît que cette marmite, on ne voyait jamais le fond. Et elle dit à la dame, ma chérie, essaie un peu d'avancer un peu plus, pour que quand je vais verser le lait dans la marmite et tout, ça peut sauter sur tout et tout, ça peut t'égaspiller les habits. Donc, essaie un peu d'avancer. Mes chers frères et sœurs, nous vivons vraiment des affaires divines. Non, des affaires diaboliques, quoi. Donc la dame dit oui, il n'y a pas de souci. Donc elle essaie un peu de reculer. Elle prend la marmite. En se retournant maintenant pour poser la marmite, bon, pour verser la réserve dans la grosse marmite qu'elle vendait. Par inadvertance, elle fait tomber la grosse marmite. En faisant tomber la grosse marmite, chers frères et sœurs, la marmite se renverse à l'intérieur de la marmite. On voit des serviettes hygiéniques. À l'intérieur de la marmite, il y avait
des serviettes hygiéniques au fond de la marmite. C'est comme ça que la dame crie, elle alerte tout le monde. Les gens accourent et tout, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais regardez ce que la femme là nous vend et tout ça là. Donc à l'intérieur de son lait là, il y a tellement de gens. Donc il y a des serviettes hygiéniques. Et je te jure, hein, tout d'un coup, tout la, comment on appelle, les alentours de la dame, les autres commerçants qui prenaient sa, qui prenaient son lait et tout ça là pour manger, hein, on commence à crier sur la femme. Ils ont alerté les forces de l'ordre. On a attrapé les femmes parce que aussi, certains des forces de l'ordre là. Buvez aussi, pardon, excusez-moi. Buvez aussi son lait. Ils l'ont pris. Ils l'ont tabassé jusqu'à. Après, ils l'ont amené à la gendarmerie. C'est comme ça que ma soeur a dit merde. Donc, j'étais là. Je venais, j'encourageais une soeur africaine. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Oh mon Dieu. Nous tous, on a bu ça. Oh. Mais rien ne nous est arrivé. Hein? Donc, c'était ça ma petite histoire. Waouh. Vous voyez comment il y a des complications dans ce monde. Vous voyez comment on peut se faire avoir dans ce monde. C'est du hors du commun, nous devons nous accrocher à Dieu. Surtout, être très vigilant. Avant de manger quoi que ce soit, prier, prier et prier. Ok, maintenant vous donnez rendez-vous pour la tournée partie tout à l'heure sur un second. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez.